rendez compte que vous êtes libre. Vous êtes libre, Jésus a tout accompli à la croix, vous êtes libre. Et vraiment, je veux vous encourager, j'avais vraiment sur le cœur de vous inviter à laisser derrière cette porte vos soucis, tout ce qui vous tracasse, laissez tout ça derrière. Vraiment, tournez vos yeux vers Jésus, tournez vraiment, il mérite vraiment nos louanges. Louez-le pour qui il est, pour qui il est, il vous aime, il a tout donné pour vous, tout, il a tout payé, tout accompli. Alors vraiment, venez et déposez, enfin, faites monter vos louanges comme un parfum qui monte vers lui. Tout.
c'est bon de chanter. Merci, Père. Je suis à toi.
conscience d'une chose, c'est que souvent on a envie de dire: Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait Dieu veut juste qu'on prenne du temps avec lui, en fait. Juste qu'on aille dans notre lieu secret et qu'on soit là juste à attendre, comme si, ben oui, en fait vous venez auprès du Père, vous allez vous asseoir sur ses genoux et vous restez dans ses bras, juste dans le silence, à l'écouter, à le louer. Et en fait ça réjouit bien plus son cœur que plein d'autres choses, en fait. Et si vous êtes parents, ben vous devez connaître ce sentiment-là quand nos enfants sont dans les bras, simplement, en fait. Ils ont besoin de rien d'autre, je pense, à ce moment-là. Et vraiment, c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse prendre du temps, qu'on puisse arrêter de courir et juste prendre du temps avec lui, dans ses bras, dans sa présence. Jésus m'a sauvée.
fait ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Encore une fois. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à sans limite. Ton cœur n'est pas partagé, éternel. Que tu libères. Oui, la croix subsiste. We'll be right back.
qui brille en nous. Y a pas de ténèbres en toi, viens régner. Oui, viens régner. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. En nous, viens régner, Seigneur. J'ai envie de vous inviter à vous déplacer, à sortir de vos rangs. Si vous sentez que vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin d'être renouvelé, fortifié, vous avez besoin d'une touche de Dieu. J'ai envie que vous veniez ici, on n'est pas nombreux, que vous veniez devant, sortez de votre zone de confort. Vous venez proclamer avec nous que Dieu ferait encore un chemin. Alléluia. Il y a de la place là. Faites ce pas de foi. Alléluia. Merci Jésus. Que puisse vous toucher encore. Alléluia. Merci Jésus. Tu es là, présent pas. Je t'adore.
Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Prêt à chevaux, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Amen, tu es là, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Dans ta présence, Seigneur, délivrance et guérison, Seigneur, liberté,
cœur essoré dans ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Les miracles, les prodiges sont d'actualité. Sont d'actualité. Sont d'actualité. Car voilà qui tu es. Nature du cœur du Père, de délivrer, de consoler, de transformer, de restaurer, de prendre sur son cœur, c'est dans sa nature, car notre Dieu est bon, infiniment bon. Toucher les cœurs, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont là devant toi, qui s'attendent à toi. Père, tu touches maintenant. Merci, Saint-Esprit. Nous allons chanter un chant. Saint-Esprit. Je vous invite à rester devant. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et chanter ce chant comme une prière. Comme une prière qui monte vers le cœur du Père. Alors, Seigneur, viens toucher ma vie. Je prie pour qu'il y ait des guérisons. Saint-Esprit, je prie pour qu'il y ait des délivrances. Sans les nommer, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé maintenant. Si c'est votre cas, Seigneur, dites-lui, Seigneur, maintenant je prends toute ma foi, tout ce que j'ai, tout mon cœur, je le mets devant toi, Seigneur. Je veux te faire confiance. Santé à un endroit précis, mettez la main là où vous avez ce problème de santé, on va prier ensemble. Je veux d'abord prendre autorité contre tout esprit de peur, tout esprit d'inquiétude par rapport à la maladie. J'ordonne à la peur de quitter ce lieu. J'ordonne à toute angoisse de partir maintenant, dans le nom de Jésus. Angoisse, peur, vous n'avez plus votre place au milieu de nous. La paix que tu donnes, Jésus, pendant ce moment. Merci. Et nous voulons prendre ensemble autorité contre la maladie maintenant. Nous ordonnons mal à la douleur, à la maladie de disparaître maintenant. J'ordonne au mal de disparaître maintenant. Merci, Jésus. Nous t'ordonnons de disparaître maintenant. Aussi tous ceux qui veulent maintenant être renouvelés. Tu augmentes la communion de ceux qui veulent être plus intimes avec toi.
te révèles au cœur de ceux et de celles qui ne te connaissent pas. Oh, ta présence, Seigneur. Fais ce que toi seul.
toucher nos vies, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens dans ma je sens très fort dans mon cœur que l'Esprit veut faire quelque chose de spécial. Dieu veut faire quelque chose de spécial ce soir pour quelqu'un ou quelques-uns. Je sens vraiment que Dieu frappe à la porte de certains cœurs ce soir, cet après-midi. Tu es là ce soir, ou cet après-midi, enfin bon, peu importe. Tu es là et je ne sais pas pourquoi tu es venu. Peut-être tu es venu par curiosité. Peut-être tu es venu, je ne sais pas, par habitude. Peut-être tu es nouveau, peut-être tu es un chrétien depuis longue date. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne change pas. On l'a chanté, Dieu est un Dieu de miracles, il est un Dieu de guérison. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Aujourd'hui encore, il veut faire une œuvre dans ton cœur. Il connaît ton besoin. Il a vu tes prières, il a vu tes larmes. Il veut et il veut répondre à ta prière ce soir. Reçois-le, crois-le. C'est pour toi, c'est ton moment. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Dieu est toujours le même, Dieu est toujours là, mais il y a des moments spéciaux où Dieu veut agir, où Dieu frappe à la porte d'un cœur. Et il insiste, quand il a quelque chose de spécial, je sens très très fort, je sens que Dieu insiste. Peut-être tu résistes, peut-être tu te dis, non c'est des blagues, c'est des foutaises, tout ça, c'est la musique, c'est l'ambiance. Et puis celui au micro là, qu'est-ce qu'il fait comme cirque? Je t'assure que je suis sincère et je pense vraiment que c'est Dieu qui te parle. Fais ce pas de foi. Mets au défi Dieu. Si tu existes, montre-le-moi, prouve-le-moi. Si c'est ta parole, montre-le-moi, prouve-le-moi. Fais ce pas. Je suis qu'un homme, je peux me tromper. Mais je suis sûr, je sens vraiment très 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 fort. Alors fais-le. Qu'est-ce que tu as à perdre après tout? Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Alors fais-le.
Yes. Amen. Soyez béni. Prendra le temps qu'il faut pour prier pour vous. Si vous avez simplement envie que quelqu'un de l'équipe vienne prier pour vous, levez la main. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Est-ce que Lucas, tu veux bien ou il y a Alfreda aussi. Qui d'autre je vois de l'équipe? Avec les spots, on ne voit pas bien. Il y a Martine qui est là, ouais. Ok, Anaïs, Lucas, vous voulez bien prier? Il y a des personnes qui lèvent la main. Pendant cela, nous, on va continuer à garder cette atmosphère de louange et d'adoration. On va se mettre dans la présence de Dieu. On va continuer à rester dans la présence de Dieu. Si vous voulez juste bien vous joindre à nous pendant la prière et pendant que ceux qui sont de l'équipe prient. Tu veux prier aussi? Tu veux bien prier? N'hésitez pas à demander à Dieu, pendant que vous priez, n'hésitez pas à demander à Dieu des paroles, des visions, des images. Pendant ça, nous allons continuer à chanter un petit chant. Pas besoin de paroles, on le connaît par cœur. Un chant qui dit « Je t'adore ». On va juste se mettre dans la présence et adorer Dieu. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh Jésus. Oh, na, 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 yes, le. Je t'adore. Viens, Saint-Esprit. Je t'adore. Plus de ta présence. Je t'adore. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Kora baba baba basura baba baba yeselelelele. Jésus. Sora na 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 yeselelelelele. Kora mama mama mashelelele. Je t'adore. Chante-le avec moi. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Alléluia. Oh, je t'adore. Mama, 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 sorry. Oh, Jésus. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je proclame la délivrance, je proclame la plénitude sur ceux qui en ont besoin maintenant. Saint-Esprit, tu touches les cœurs maintenant. D'une manière particulière, tu touches les cœurs. On a encore le temps. On peut encore prendre 5-10 minutes sans problème. S'il y en a qui veulent qu'on prie pour vous, vous voulez lever la main? J'ai compris pour toi, Peg. Ok. Est-ce que quelqu'un peut aller prier avec Peg? D'autres personnes, n'hésitez vraiment pas. Enfin, voilà. Si vous voulez qu'on prie avec vous, Alléluia, je veux proclamer des paroles de vie dans ce moment. Saint-Esprit, tu donnes la vie, tu visites ceux qui en ont besoin, tu renouvelles les forces de ceux qui ont besoin. Tu renouvelles.
Il y a Sébastien aussi qui voulait qu'on prie pour lui, je pense. Il a la technique, il est derrière les caméras, mais si quelqu'un pouvait aller prier avec Sébastien aussi. Merci Père. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit dans ce lieu. Encore, encore, encore. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Alléluia. Plus de ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Je prie pour des visions. Je prie pour des paroles de connaissance. Je prie aussi pour des paroles de vie. Alléluia, je t'adore Jésus, je t'adore Jésus, nous t'adorons Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons. Je prie pour des guérisons corporelles, mais des guérisons spirituelles, des guérisons psychologiques. Alléluia. Alléluia. Je t'adore Seigneur. Est-ce qu'il y a la maman de quelqu'un qui est à l'hôpital ici dans ce lieu? Est-ce que la maman de quelqu'un est à l'hôpital? Non? J'avais maman hôpital en tête, donc il n'y a personne? Ok. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la famille à l'hôpital pour qu'on puisse prier? Oui, il y a notre petite cousine Zélie. Ah oui, il y a ton frère Raphaël, est toujours à l'hôpital? Ok. Père, on veut proclamer la vie, Seigneur Jésus. Tu dépasses le lieu, tu dépasses le temps. Seigneur, nous proclamons maintenant la guérison sur Raphaël, une restauration à 100%. Nous proclamons la guérison sur la petite Zélie aussi. Maintenant, dans le nom de Jésus, pas besoin d'être ici dans ce lieu. Seigneur, nous savons que tu vas là-bas, tu délivres, tu guéris. Nous voulons proclamer des paroles de guérison, des paroles de foi. Dans le nom de Jésus, tu guéris. Dans le nom de Jésus, alléluia, les corps sont guéris, les maladies disparaissent. Dans le nom de Jésus. Oh, 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 shananana, yes, nenenene. Oh, 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 je t'adore. Oh, 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 oh. Seigneur, puisse-tu nous rendre, Seigneur, donner un esprit de joie, Seigneur Jésus, alléluia. Puisse-tu mettre la paix, Seigneur, dans notre cœur, Jésus, car on a besoin de toi, alléluia. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour tout. Je te remercie, Seigneur, pour la vie que tu me donnes, Seigneur, alléluia. Pour le pardon que tu m'as déjà accordé, Seigneur, alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour moi, Seigneur. Même que je ne méritais pas, Seigneur, tu t'es offert pour moi, Seigneur. Tu t'es offert pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Et comme enfant, Seigneur, je veux te remercier pour cela, Seigneur. Déverse ton esprit, Seigneur. Touche chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ton église, Seigneur, puisse ouvrir les yeux, Seigneur, et voir ta gloire, Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, si nous sommes fatigués, chargés, Seigneur, de nos maladies, de nos faiblesses, Seigneur, si on est fatigué, on ne peut plus, Seigneur, on n'arrive plus, Seigneur, à s'en sortir, Seigneur, je t'en prie, Père, mets ta main de miséricorde, Seigneur, mets ta main de gloire, Jésus, alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, le monde ne te connaît pas, Seigneur, mais nous te connaissons, Seigneur. Toute une fois, Seigneur, on était dans les ténèbres, aujourd'hui nous sommes dans la merveilleuse lumière, Seigneur, alléluia. Grâce à toi, Seigneur Jésus, nous avons la vie en abondance, Seigneur. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos esprits, Seigneur. On a besoin, Seigneur, d'être renouvelé, Seigneur. C'est pour ça que je t'adore, Seigneur Jésus.
ne permet pas que le mal atteigne ma vie, ne permet pas que le mal atteigne nos vies, Seigneur. Éloigne-nous de la tentation, Seigneur. Je proclame cette vérité, Seigneur. Éloigne-nous de la tentation, Seigneur. Tout ce qui nous attire, tout le péché qui nous attire, Seigneur, tout désir de la chair, Seigneur, oh, je les bannis dans le nom de Jésus, alléluia. Nous sommes plus que victorieux dans le nom de Jésus, alléluia. Je proclame toute chair à nos pieds, Seigneur. Je proclame toute mauvaise pensée à nos pieds, Seigneur. Le vieil homme, Seigneur, la vieille femme, Seigneur, crucifie. Et je proclame une nouvelle renaissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, merci Seigneur. C'est dur de couper hein, comme ça là. On a tellement été bénis, je suis encore... J'ai du mal à sortir de tout ça. Enfin, bon. Je suis là pour vous présenter en fait les, voilà, les projets qu'on a pu faire ces derniers temps en fait, avec l'église VVA grâce à votre soutien. Donc voilà, on a préparé des petites diapos, quelques petites photos. Donc pendant toute la période où il y a eu le confinement, ben, on va dire que tout ça a été à l'arrêt, on a pu reprendre tout ça. Et donc voilà, en gros, donc, l'aide tout au long de l'année, donc voilà, on essaye d'être à l'écoute des besoins de chacun, besoins des frères et sœurs, mais pas seulement au niveau de l'église, mais aussi à l'extérieur. Donc on est au niveau alimentaire, on fait des colis alimentaires, vêtements, mobilier. Dernièrement, une famille, une maman seule avec sa fille avait besoin d'une machine à laver. On a pu lui trouver d'occasion, mais une bonne machine à laver, elle est toute heureuse. On fait donc collecte de vêtements. On a pu soutenir l'AMI, qui est une association chrétienne qui aide au niveau de l'Afrique. Donc en fait là c'est le soutien à l'AMI c'est mensuel, c'est un soutien mensuel en fait. Je vois pas par là, je suis éblouie en fait. Puis il y a le soutien à l'ASBL Un Temps pour Aimer. Vous pouvez retrouver sur Facebook qu'ils aident au niveau des hôpitaux les enfants malades. C'est un peu comme Make a Wish qu'on connaît. Donc, il y a des enfants qui, malheureusement, ben, il ne leur reste plus que quelques mois à vivre et donc ils essayent de réaliser leurs vœux. C'est une association qui est chrétienne et qui ben, voilà, essaye aussi d'accompagner. Si les personnes le désirent, ben, ils prient pour eux, ils peuvent prier pour eux. Donc là aussi, on a un soutien financier. En fait, tous les mois, on les aide financièrement. Il y a l'école Les Papillons aussi, l'école chrétienne qui est située dans la région de Manage. Voilà, là aussi, on leur apporte un soutien financier tous les mois. On a le parrainage d'enfants. Ici, notamment, on a juste un enfant. Et on aimerait soutenir d'autres enfants via l'association qui s'appelle le CEL, qui est une association chrétienne. Mais là, on en reparlera, en fait, parce que les enfants aiment avoir un courrier. Et donc, on va essayer peut-être de mettre ça en place, soutenir des enfants. Mais peut-être s'il y a des frères et sœurs qui ont à cœur de correspondre avec un enfant, ben voilà, ici dernièrement avec mon mari on soutient un petit garçon, vu qu'on a trois filles on a choisi un petit garçon et ben voilà, il y a un courrier plusieurs fois par an, on prend des nouvelles, il nous écrit, enfin voilà,
Donc on pourrait peut-être mettre ça en place à l'avenir. Donc il y a eu le soutien aux victimes des inondations, donc dernièrement du côté de Liège. Donc on a collecté au niveau de l'église des vêtements. J'ai reçu pas mal de vêtements de frères et sœurs. Et donc je suis allée déposer à Mons, au CPAS, etc. Et en fait c'est parti, ça a été livré sur Liège. La SBL pour aimer que je vous parlais tout à l'heure a aussi collecté, a fait une collecte pour les victimes des inondations. Et là on a versé 500 euros. J'avais demandé quel était le besoin et bon, question alimentaire, ils avaient ce qu'il fallait. Et donc bon, on a plutôt versé un don de 500 euros qui a bien servi. Ils étaient plus attentifs aux besoins. Voilà, par exemple, il m'a dit qu'il y avait une dame qui avait perdu sa chaise roulante, qui avait été emportée par les eaux. Et donc, ben, grâce à cette somme-là, il était tout content parce qu'apparemment, ça coûtait très très cher, plus de 500 euros. Et ils en avaient trouvé une à 300-400 euros. Et donc, ça avait pu, par exemple, offrir la chaise roulante à cette dame. Ensuite, alors dernièrement, on a versé 1000 euros à EMCITV, qui est une émission TV en ligne, quoi. En fait, elle est considérée comme la chaîne chrétienne évangélique numéro 1 dans la francophonie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a franchement sur YouTube, il y a beaucoup de messages encourageants. Et voilà, c'est diffusé dans le monde, dans tout le monde, sur Internet, enfin dans la francophone bien sûr, et dans plus de 60 pays par satellite et par câble. Donc voilà, et ici en fait ils avaient fait une demande particulière parce qu'ils construisent donc un nouveau centre, on a vu la photo, qui coûte bien sûr très cher. Jusqu'à aujourd'hui ils faisaient ça dans leur maison, dans la cave qu'ils avaient aménagée. Et donc voilà, maintenant ils ont un centre et ils cherchaient 3500 héros qui se levaient, qui versaient 1000 euros pour la suite. Ils avaient une partie pour la construction, mais bon, vous savez très bien que voilà, l'intérieur, le mobilier, etc., pour tout finir, ben, ça coûte assez cher. Voilà. Donc on a voulu participer et les bénir. Ensuite, on a aussi le don pour le Souffle de Vie, qui est une association d'aide au soutien aux mamans et futures mamans. Donc en fait, on les a aidés. En fait, ils cherchent toute l'année des vêtements. Donc si vous avez des vêtements en bon état, mais surtout au niveau du matériel de périculture, ils sont souvent en manque. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner. Ils ont une antenne sur Bruxelles et une antenne sur Namur. Ils cherchent à s'implanter, je dirais, à implanter une antenne ici sur Soigny. Et ben voilà, on espère qu'un jour ce sera possible, qu'on puisse avoir un bâtiment assez grand pour stocker, même avoir peut-être une antenne ici pour pouvoir les aider. Ces mamans, depuis la grossesse, en fait, il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent seules, enceintes, qui ont parfois l'idée d'un avortement en tête. Et ben en fait, sans jugement vraiment, les mamans peuvent trouver une écoute auprès de cette association-là. C'est une association qui est aussi chrétienne, mais qui ne fait pas de distinction. C'est vraiment pour tout le monde. Toutes les mamans peuvent trouver un soutien là, du début à la fin de la grossesse, après la grossesse, et jusqu'à, ils récoltent des vêtements jusqu'à 16 ans, je crois. Voilà, donc c'est une association qu'on voudrait aussi soutenir, peut-être via ma belle-sœur, après fin d'année, je pense qu'on avait décidé aussi de les aider. Voilà. Après, on a eu l'opération cartable, on va dire. C'est par le biais de Un Temps pour Aimer, la SBL Un Temps pour Aimer. On a connu aussi cette association-là, Arter, qui est une association qui aide apparemment les enfants qui sont placés. Et donc, apparemment, il y en a vraiment beaucoup. Ici, dans la région, on a eu un contact avec une personne, enfin, ma belle-sœur particulièrement. Et donc, il y aurait une centaine d'enfants qui manquent de cartables, simplement. Et donc, on a voulu leur offrir un nouveau cartable. Donc, c'est ça que vous avez vu. On a acheté 20 nouveaux sacs à dos. Là, vous ne voyez pas, c'est trop petit, mais il y en avait aussi pour 500 euros facilement. Voilà. Alors après, ici tout près à Écosine, il y a le Gaylogis, qui est aussi une association où il y a une cinquantaine, 51 enfants qui sont placés là aussi par le juge. Et donc ils avaient besoin pour la rentrée de fournitures scolaires. Donc on est allé faire quelques petits achats
voilà. Ils ont besoin tout au long de l'année, ils ont besoin de essuie, gants de toilette. Il y avait draous, on avait récolté des draous, des maillots, sacs de sport. Voilà, j'ai toute une liste. Et ça, c'est toute l'année qu'ils ont besoin. Mais on a surtout fait, voilà, pour la rentrée aussi, un beau colis. D'ailleurs, j'ai pas pensé mettre le message. Enfin, ils nous remerciaient, remerciaient l'Église. Ils étaient étonnés, en fait, de recevoir tout ça, en fait, du bon matériel nouveau, neuf. Et ensuite, dernièrement, cette semaine, on a pu aussi verser, c'est via le CEL aussi, donc une organisation chrétienne qui vient en aide à toute personne dans la pauvreté, partout dans le monde. Et là, on a pu verser 2000 euros pour les victimes du séisme à Haïti, et aussi 2000 euros aux victimes d'attaques au Burkina Faso. Voilà, en gros, ce qui est, je trouve, super. Franchement, merci, merci, merci à vous tous qui nous soutenez tous les mois. Franchement, je suis émerveillée. Je dis merci Seigneur pour ça. Je trouve que c'est déjà bien et je suis sûre qu'on pourra encore faire grâce à Dieu. Voilà, voilà. Merci à vous tous. J'ai oublié. Donc la SBL que je vous parlais, Arter, donc qui vient en aide aux enfants ici dans la région, disait aussi simplement que les enfants manquaient de collation, simplement. Et donc on s'était dit que on pourrait ici, je vais dire à partir d'aujourd'hui, pendant 4 dimanches, un mois environ, je vais mettre une caisse. Et si vous voulez participer, nous apporter des collations pour les enfants, regardez aux dates. Parce que, voilà, dans un mois, regardez que ce soit bon, donc jusqu'à octobre, fin octobre, voilà. Et comme ça, pas de produits laitiers, parce que ça risque peut-être de... On n'a pas d'endroit frais, donc... Mais voilà, si vous voulez participer, je mettrai une boîte à partir de dimanche prochain. Et comme ça, dans un mois, on pourra leur apporter simplement des collations, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Merci à chacun, à chacune pour la participation. On a été fort bloqués pendant le confinement. Je m'installe. On a été fort bloqués pendant le confinement. On n'a pas pu faire grand-chose. Mais grâce à vous et grâce à, malgré tout, l'effort des uns des autres, on va reprendre tout ça. Parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester sans rien faire. Vous êtes OK avec moi ou pas? Et donc, merci Jésus, parce que même pendant le confinement, on a reçu des dons. Dieu nous a mis vraiment au large, il faut le savoir. On a vraiment reçu des dons, on a reçu parfois des très gros dons, certains qui m'ont un peu étonné, d'autres qui sont moins étonnants mais qui sont très réguliers. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois, les gens donnent et que Dieu vraiment leur rende. Mais c'est vraiment extraordinaire et on a l'occasion, en tant que communauté, on a l'occasion de faire des choses et il faut absolument qu'on mette ça en place. Et aujourd'hui, justement, j'avais à cœur de vous parler encore une fois des pensées du royaume et je voudrais vous parler de l'engagement, justement. Ça tombait très bien que ma femme avait à cœur de vous partager les œuvres qu'on a faites, comme quoi on est un peu connectés. Et, c'est normal, on est connectés, on est mari et femme, hein, quand même. Et j'avais vraiment à cœur de vous parler d'engagement parce que c'est quelque chose qui malheureusement se perd. Ok, je vais être tout seul, mais ce n'est pas grave. Ça se perd vraiment, c'est grave. Genre, ça se perd. Les églises
manque de chrétiens engagés. Vous me direz, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à Covid, c'est la faute à tout ce que tu veux, parce qu'on a l'occasion de se connecter à tout ce qu'on veut sans bouger de son salon. C'est magique, hein ? C'est génial, hein ? Et puis, quand on n'aime pas la prêche du pasteur Intel, on zappe, on prend la prêche d'un autre pasteur. Quand on n'aime pas l'église Intel, c'est pas grave, on zappe, zip, 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 on prend la prêche d'un autre endroit, ce qui fait qu'on n'est pas engagé. On croit sans être engagé. Et excusez-moi de vous demander pardon, mais c'est Jésus qui a construit l'église. C'est Jésus qui a dit qu'on serait une communauté. Avec un grand E, je suis d'accord avec vous, c'est un grand E, c'est l'église partout. Mais l'église avec un grand E est constituée de plein de petites églises avec des petits E. Ce que nous sommes, des communautés. Alors, il n'y en a pas une ou l'autre meilleure que d'autres. Il y en a peut-être une ou l'autre qui va mieux nous correspondre, dans laquelle on va se sentir mieux, plus à l'aise, qui va correspondre à ce qu'on recherche. Mais c'est normal d'être implanté dans une communauté, de vivre dans une communauté. C'est normal de faire partie d'une communauté et d'être engagé dans une communauté. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Vous savez, avec l'air du temps, avec Internet, avec tout ça, on se retrouve avec des situations qui sont étonnantes, des églises vides. Des églises vides, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui se connectent, mais l'église est vide. C'est fou, hein ? C'est fou. Alors que le principe même, c'est la communion. Vous savez ce que veut dire église ? Ouais, vous le savez. Ça vient d'où, église ? Non ? C'est du grec à la base. Ecclesia, ouais. Et ça veut dire assemblée. Ah, explique-moi comment on peut être l'église tout seul. Je suis l'assemblée. Ah bah non, là t'es le désassemblé, hein. Tu peux pas être assemblé. Tu dis, ouais, mais spirituellement, on est tous ensemble. Ouais, ouais. À la base, Jésus, il a quand même dit, vous serez une assemblée. Hein. Je ne pense pas qu'il parlait chacun ses choix connectés Bluetooth. Non, c'est assemblée, ensemble. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que ça fait un bien fou, non ? Moi, je suis content de voir la tête souriante à Fabrice. Je suis super content. Ah, sur Zoom, on peut le voir aussi, mais c'est moins bien. C'est vrai. On ne peut pas se toucher. Alors, vous me direz, ah ouais, mais la période... Bon, et oh, si vous allez à Basic Fit, pour ne pas faire de pub, il n'y a plus de distanciation sociale, il n'y a plus de masque. C'est vrai, hein, moi j'y vais régulièrement à Basic Fit, et ben on peut maintenant sans, y aller sans masque, donc c'est bon maintenant, on peut se toucher, hein, ça va, hein, ça y est, c'est derrière nous là quand même, non ? En tout cas, chez Basic Fit ça l'est, alors c'est dingue que ce soit pas encore dans l'église. Hein. Non mais sérieux, ce serait dingue que ce soit pas encore dans l'église alors que ça l'est dans les salles de sport. Mais bon, il y a encore beaucoup d'endroits qui sont délaissés, et je voudrais vous parler aujourd'hui d'engagement, parce que vous savez quoi, le royaume... Eh bien, ça demande des cœurs engagés. Ça demande des cœurs qui se donnent et qui sont engagés. C'est un défi, vraiment. C'est un défi pour les chrétiens de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber, de ne pas reculer, de ne pas être crevé, rester à la maison. C'est un défi. C'est un défi. Mais juste entre vous et moi, c'est un défi que Jésus nous a lancé il y a déjà quelques temps. Quelques temps, hein. Il a dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il nous a mis au défi, hein, il nous a dit, vous savez quoi, il va falloir les gars, il va falloir trimer, il va falloir bûcher, il va falloir se donner, il va falloir croire, il va falloir y aller, il va falloir avoir la niaque. Hein, il va falloir être un peu passionné pour votre histoire là, il va falloir un moment se mettre en route, mettre cette trip, il va falloir y aller. Hein. C'est pas juste croire. Vous savez que la foi, ce n'est pas juste croire. Vous le saviez ? Eh oui, on le savait. Ah ok, vous me rassurez. Chouraki, tu sais comment il traduit Chouraki ? Non, tu ne sais pas. Il appelle ça l'adhérence. Donc Chouraki, c'est une traduction de Bible, hein, comme il y en a plusieurs. Et il traduit ça par l'adhérence. Il parle de l'adhérence. Ça fait bizarre parce que nous, on a toujours dit foi. Alors, vous lisez Chouraki. Bon, moi, j'ai lu Chouraki. Pour information, hein, je l'ai lu parce que j'ai trouvé intéressant de lire d'autres traductions. Et il parle tout le temps de l'adhérence, l'adhérence, l'adhérence. Mais en fait, quelque part, c'est très intéressant. Parce que ça nous propulse bien plus loin que juste croire. Croire et adhérer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on adhère à un parti,
Quand on adhère à une association, on ne fait pas juste croire et regarder de loin. Normalement, on se bat avec elle. Quand on adhère à quelque chose, quand on adhère à des idées, qu'est-ce qu'on fait? On les défend. On les porte, les idées. On ne fait pas juste « Ouais, je crois le truc, c'est cool. » Non, mais c'est bien, hein, le gars, quand il cause, c'est cool. Non, non. Quand vous adhérez à des idées, vous dites « Ah, punaise, allons, ça, alors ça, il faut que tout le monde le sache. Hein. Ah là 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 là, moi, je vais en parler à mes amis, mes voisins, mes copains, mes collègues. Ah non, non, ça, il faut que ça, il faut que ça passe. On ne peut pas rester dans cet état-là. J'y adhère, j'y crois et je veux me battre pour ça. » Adhérer. Eh bien, on est censé adhérer à l'Évangile. On est censé porter l'Évangile. On est censé plus que croire l'Évangile. On est censé se battre pour l'Évangile. On est censé vivre l'Évangile, penser l'Évangile, dormir l'Évangile, rêver l'Évangile, manger l'Évangile. On est censé avoir ça, mais à fleur de peau tout le temps. Ça doit aller de la plante de nos pieds jusqu'au sommet de notre crâne. L'Évangile, ça doit être nous. On doit être dedans, il doit être dans nous. Bien plus que simplement des idées ou des croyances. On doit être à fond dans l'engagement. L'engagement. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je sais, vous me direz, ou vous ne me direz peut-être pas, mais je vous le dis quand même, on n'a pas une société qui nous porte à croire ça. On n'a pas du tout une société, on n'est pas du tout dans un monde, on n'est pas dans un mood où franchement on vit ça. Pourquoi ? Parce que là où on est, dans la société dans laquelle on vit, c'est une société de consommation. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on zappe. C'est vrai, non ? On change de téléphone tous les mois, tous les 2-3 mois, tous les 5 mois. On change de jeans, de chaussures, on change de bagnole, on change de maison. Il y en a même qui changent de femme, qui changent d'homme. Mais c'est horrible ! C'était pas comme ça avant. Avant, quand une chose n'allait pas, on faisait quoi? On la réparait. C'est un mot qu'on va devoir retirer du dictionnaire. Ça. Réparer. Répa quoi? Réparer. Ça veut dire, ça passe de l'état, ça ne fonctionne plus, à l'état, ça fonctionne à nouveau. Ça existe? Oui. Mais on est dans une société où tout doit aller absolument vite, tout doit fonctionner à merveille, et dès que ça ne nous plaît pas, on zappe. On zappe. Il faut que tout aille vite. On ne peut plus rien attendre, on ne peut plus rien construire. Il faut qu'on ait du résultat tout de suite. Quand j'ai expliqué à ma fille qu'il fut une époque lointaine où on apportait une pellicule chez le photographe et qu'il fallait attendre parfois plusieurs heures pour avoir les photos en retour, vous auriez dû voir sa tête. Quoi ? On ne pouvait pas voir les photos tout de suite l'appareil photo, on ne voyait pas ? Ben non. Tu avais une boîte noire, tu faisais clic, 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 mais comment tu savais si les photos étaient réussies ? Quand tu les développes. Et là, parfois, tu as payé pour des photos pourries. On a perdu ça. Hein, devoir attendre pour quelque chose. S'engager fidèlement et puis se battre pour que la chose arrive. Ça manque. Hein, ça manque. Dans notre pauvre société que nous vivons, ça manque. Alors, vous pouvez me traiter de grand complotiste, mais je crois qu'il y a une manigance derrière tout cela. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est à l'œuvre depuis l'aube de l'humanité pour nous transformer, pour nous amener, nous tirer vers le bas. Ouais. Je crois que la société, petit à petit, ne s'améliore pas. Excusez-moi si vous croyez ça. J'accepte que vous le croyez, mais acceptez que je ne le crois pas. Je crois que les choses s'empirent. Je crois que tout est fait pour nous éloigner des choses naturelles et vraies. Tout dans la nature prend du temps. Tout dans la nature évolue, s'améliore. Je veux dire par là que pour quelque chose arrive, il faut prendre du temps. On met une graine et puis on attend. La chose grandit, la chose devient belle, la chose s'améliore. Vous me direz après, la chose se détériore et la chose finit par mourir. Oui, mais ça, ce n'était pas prévu par Dieu. Ne me faites pas croire que ça, c'était prévu par Dieu à la base. La mort ne faisait pas partie du plan. Mais tout dans la nature nous montre eh bien, que les choses prennent du temps. Et vous savez avec quoi ? Avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, il faut s'engager, il faut se battre et prendre le temps qu'il faut. Il faut se mettre à l'œuvre et prendre le temps qu'il faut. La Bible dit que celui qui sème, même parfois avec larmes, parce que c'est dur, oh Seigneur, récolte avec chant d'allégresse. Et là, tout le monde fait « Ah ouais, ouais, ouais ». Et tout le monde oublie qu'entre avoir semé et récolté, bah, il a fallu attendre.
Tout le monde se dit, ah ouais, je sème, mais ça va, on va récolter avec. Ouais, mais entre les deux, loulou, il faut que ça germe, il faut que ça sorte du sol, il faut que ça pousse, il faut que ça porte des fruits. Et oh, oh, oh. Un jour à la fois, hein. Une chose à la fois. La patience. Oh. L'engagement. Oh là 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 là. L'engagement, hein, Chloé. Ouh, Seigneur Jésus. L'engagement. Les choses prennent du temps. Mais les choses demandent de l'engagement. L'Église prend du temps. L'Église demande de l'engagement. Nous sommes appelés à être engagés dans une communauté, à travailler dans une communauté, à nous donner dans une communauté, à prier avec une communauté, à se battre avec la communauté et à patienter avec la communauté pour que, en son temps, la graine plantée porte du fruit. En son temps, les choses portent du fruit. Porter du fruit demande de l'engagement et de la patience, demande de l'engagement et de la fidélité. En fait, l'engagement et la fidélité sont indissociables. Vous ne pouvez pas être engagé sans être fidèle. Et la fidélité se prouve dans l'engagement. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas vous engager et puis vous désengager. Ça ne marche pas comme ça. Si on s'engage, il faut être fidèle dans cet engagement. Si on met la main à la charrue, nous dit la Bible, ce n'est pas pour se retourner en arrière. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui met la main à la charrue et ensuite regarde en arrière, Jésus dit quoi? Il n'est pas digne ou pas propre pour le royaume de Dieu. C'est chaud, hein, ouais. C'est quand même chaud, hein. Pourtant, vous me direz, mais pendant qu'on travaille, qu'on laboure, c'est normal de temps en temps se retourner pour voir ce qu'on a fait, non? C'est normal de se retourner pour voir si le job est bien fait. Il y a la part de confiance, dis-moi, je bosse avec toi, Seigneur. Ça va venir. Le travail se fait, Seigneur, je n'abandonne pas, je ne relâche pas, je me bats, je continue à me battre, Seigneur, je suis engagé, je suis fidèle dans cet engagement. Seigneur, je veux te faire confiance, je sais que tu as promis du fruit, tu as promis que ça pousserait, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas abandonner. Seigneur, je vais me battre, je vais y aller jusqu'au bout. Seigneur, avec toi, nous allons faire des exploits, des miracles, nous allons voir des choses extraordinaires. Vous trouvez le temps de dire amen, c'est génial. Et Seigneur, tu vas faire des guérisons, tu vas toucher des cœurs, tu vas transformer cette situation, tu vas transformer la région. Seigneur, tu vas faire des choses extraordinaires, mais Seigneur, c'est vrai que ça prendra du temps. Ça prendra du temps, Seigneur, mais on veut être engagé. Engagé. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Dieu veut que nous le cherchions, que nous nous attachions, que nous le trouvions et que nous soyons constants dans cela. Sans jamais lâcher, sans jamais abandonner. Dieu veut que nous puissions nous attacher à son cœur, le trouver, nous implanter, nous accrocher, nous battre et lui faire confiance. Dans la société dans laquelle nous vivons, c'est un peu vivre à contre-courant, je l'admets. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, j'essaie d'être super calme quand je parle. Ouais, t'as vu, hein? Je me bagarre avec moi-même. J'essaie de mettre des blancs. C'est pas mon habitude, hein? Mais il faut prendre du temps. Et on est tous là pour changer. Parce qu'on peut marcher avec Dieu pendant un bon moment, vous savez. On peut marcher avec lui des années. Sans qu'il y ait un travail en profondeur qui soit fait, en fait. On veut tout de suite. Oh Seigneur, on veut tout de suite. On court après parfois le feeling et les sensations. Vous le voyez, on n'a rien contre les églises modernes. Oh, absolument rien. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit encore plus moderne. Qu'on soit encore plus avec de la technique et tout. Waouh, c'est super. Moi j'aimerais un super écran LED là derrière. Pouf, avec des spots. Pff, 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 j'aime ça. Ok, on est deux. Moi j'aime ça. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la présence de Dieu. Et ce qu'on voit, ce que je vois beaucoup, c'est les églises cool. Elles se remplissent. Et puis les églises qui cherchent le royaume, moins. Après, on peut essayer d'être un peu les deux. C'est-à-dire être cool tout en cherchant le royaume. Ça marche aussi. Mais l'église qui cherche le royaume, c'est une église qui prend du temps. On peut pendant des années suivre Dieu et puis
être déçu parce qu'on ne voit pas le résultat. Et ça, c'est un drame, ça. C'est un drame d'être chrétien pendant des mois, voire des années, et puis tout d'un coup, un jour, on s'arrête, on dit, ouais, mais on voit rien. Il n'y a rien qui se passe. Il est où Dieu dans l'histoire? Le mec, là, il n'arrête pas, dimanche après dimanche, de nous booster. Ouais, Dieu est vivant. Ouais, ben, les gars, l'heure tourne, les années passent. Et on voit toujours rien. Une église de réveil, c'est une église qui prend du temps. Juste pour info, il faut savoir qu'une église comme Catch the Fire à Toronto, qui était la Airport Church, qui était l'église de l'aéroport, la Airport Church of Toronto, l'église là a prié plus de 10 ans pour le réveil. Là, tout le monde vient de prendre un coup. 10 ans, oh. 10 ans, punaise. 10 ans, je pense que c'est 11. L'église à Pensacola, qui a connu un grand réveil aussi, je ne me retombe plus sur le nom de l'église, où il y avait John Kilpatrick, une église qui a vu un fameux réveil aussi, des années. Des années où tout seul, comme un grand, il allait le soir à l'église quand elle était fermée, et tout seul, « Seigneur, visite ce lieu, Seigneur, visite ce lieu !» Il a fait ça des années. Il y en a qui ont du courage, hein, quand même. Tout seul, il faut le faire. Hein. Lumière éteinte, tranquille. Je ne sais même pas s'il allumait le chauffage, mais tout seul, « Seigneur, visite ce lieu !» Vous savez quoi, ils n'ont pas eu besoin de chauffage, parce que le feu du Saint-Esprit est tombé. Des années. Une église de réveil demande des années. Ce n'est pas une règle absolue, ce n'est pas théologique, ce que je vous dis, ce n'est pas juste « Ah ouais, Dieu a dit qu'il fallait autant d'années. » Non, c'est dans la pratique. Ce que je vois, ce que je lis, c'est que les réveils demandent de l'engagement, ne demandent pas de la superficialité, ne demandent pas juste des chrétiens de surface, ils demandent des gens enracinés, ils demandent de la profondeur. « Seigneur, tu me plantes ici. Seigneur, je veux vivre pour voir, Seigneur, le réveil, voir ta gloire, voir le royaume s'installer. Seigneur, je veux être planté ici, je veux prendre vie ici. Seigneur, je verrai ta gloire parce que je sais qu'en son temps, ça portera du fruit. Seigneur, je m'engage. » L'engagement. Ça arrive tellement de fois que dans les communautés, on quitte parce qu'on n'est pas content. Ça arrive plein de fois. On est juste pas content. On a tous nos histoires, vous savez. Depuis toutes ces années, j'ai entendu beaucoup de choses. Et loin de croire qu'on est une église parfaite, j'ai souvent entendu des reproches par rapport à quelque chose qui ne plaît pas. On a le droit, hein. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai toujours dit, je le dirai encore. Nous avons des portes à l'église qui s'ouvrent dans les deux sens. Vous rentrez, vous sortez. Vous n'êtes pas attaché à votre chaise. Il n'y a pas de glue. Vous n'êtes pas fait avoir. Quand vous êtes assis, il n'y a pas de colle. Quand vous allez quitter, vous allez voir, ça se décroche tout seul. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas accroché, vous n'êtes pas attaché, vous n'appartenez pas ni à moi, ni à... Vous n'appartenez qu'à Dieu. Vous n'appartenez qu'à Jésus. Ça, c'est une réalité profonde. Mais il y a une maladie, il y a un problème, il y a quelque chose dans l'Église. C'est que quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, moi, tout au long de ces années, parfois c'est des choses qui, tellement petites. C'est même pas des débats théologiques, hein. Parfois c'est juste quelqu'un qui, ouais, ça me plaît pas trop. Ok. Parfois d'autres qui viennent me dire, ouais, tu vois, ça m'a blessé. Je vous dirai pas que parfois on n'a pas des paroles qui peuvent être blessantes. C'est vrai. Mais quand j'ai parfois l'information complète, ben, faut chercher les gratinures, hein. Faut vraiment chercher les gratinures, parce que c'est plus être blessé, c'est un peu brusqué. Vous savez, je me suis retrouvé face à des personnes qui, parce qu'on dit que quand il n'y a pas de guérison, il faut arrêter de blâmer la personne pour qui on prie, il faut se blâmer soi-même en disant « je manque peut-être de foi ». Il y en a pour qui c'est suffisant pour ne plus venir. Comment ça, tu dis que je n'ai pas la foi ? Ben, moi, je dis rien, mais en tout cas, la Bible, elle dit que si j'ai la foi, je dis à la montagne « dégage », elle dégage.
Après, j'accuse personne. Je me mets le premier dans la liste. Le nombre de personnes pour qui j'ai prié qui n'ont pas guéri, je ne dis pas à la personne « va falloir que tu changes ». Non, je dis « je manque de foi, pardon ». J'aimerais avoir beaucoup plus d'autorité. Je la demande à Dieu. Je me bagarre et ça prend du temps. Mais je te promets que je vais continuer à prier. Vous savez, j'ai été prié pour des gens qui, quand on m'a contacté 2-3 jours après, parce qu'on m'appelait, voulait bien venir à l'hôpital prier pour lui, on me contactait 2-3 jours après pour dire « il est décédé ». Ça m'est arrivé plein de fois. Et je n'ai pas dit « Dieu ne voulait pas guérir. » Écoutez, de temps en temps, c'est comme ça. Ou je n'ai pas dit « la personne n'était pas prête, n'était pas clean, il y avait plein de péchés qui... » Je dis « Seigneur, comment c'est possible que je manque encore autant de foi ?»« Seigneur, what ? Comment c'est possible ?» Tu as dit, tu pries, tu demandes, tu ordonnes, et la maladie s'en va. Ça, c'est ce que tu as dit, Seigneur. Comment ça se fait que je n'y arrive pas encore ? Le seul que je blâme dans l'histoire, c'est moi. Mais dire ça est assez, parfois, pour que des gens disent, « Ciao, frangin !» Ouais, sérieux ? Il y en a qui vont dire, « Ah non, ça, c'est quand même... c'est un manque d'amour. » Je vais le redire encore une fois, mais apparemment, dire « je manque de foi », c'est un manque d'amour, mais dire à la personne « t'es pas correct, il faut que tu changes, tu manques de foi, t'es pas sainte, t'es pas... » Ça, c'est pas un manque d'amour. On peut accabler la personne pour qui on prie. Ça, c'est pas un manque d'amour, apparemment. Mais dire « l'Église manque de foi », c'est un manque d'amour. Cherchez l'erreur. Parfois, il y a des désaccords, vous savez, c'est juste rien. Vraiment rien. On manque d'engagement. Il faut savoir pourquoi on se bat. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je ne suis pas du tout, et je ne vous prendrai pas le passage hébreu, « N'abandonnez pas votre sainte assemblée comme c'est la coutume de certains. » Je ne prendrai pas ce passage pour vous dire « Vous n'avez pas le droit de quitter votre assemblée là où vous êtes, sinon c'est un péché mortel, vous serez perdus. » Tiré hors de son contexte, on pourrait avoir l'impression qu'il est interdit de changer de communauté. Ce n'est pas ça que la Bible dit à cet endroit-là. Vous savez ce qui se passait à l'époque, pourquoi l'auteur écrit aux églises ? Vous avez les chrétiens qui voulaient retourner au judaïsme. Il y avait des tas de chrétiens judaïsants, des tas de chrétiens qui venaient de la religion juive et qui étaient tentés d'abandonner et de retourner vers cela. Elle leur dit « N'abandonnez pas, les gars, mais enfin, ne retournez pas à ça, n'abandonnez pas la sainte ou votre sainte assemblée. » Si on n'est pas bien dans une communauté, si on est blessé dans une communauté, et si le Saint-Esprit nous conduit, si on lui prie, si on prie et si on demande « Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ? Où tu veux que je sois ? Saint-Esprit, conduis-moi. » Faisons-lui confiance, s'il nous conduit ailleurs, allons ailleurs. Mais ça ne doit pas non plus être l'excuse pour « j'aime pas la smige du pasteur. » Alors ça, théologiquement pas correct, le bleu interdit, pfiou, je vais voir en face. Parce que vous savez quoi, si vous faites ça, le problème c'est que dans chaque église que vous allez rencontrer, vous allez trouver des trucs qui ne vont pas. Et un vieux pasteur qui disait un truc super cool. Si vous cherchez une église parfaite, n'y mettez pas les pieds. Mais pourquoi ? Parce que quand vous allez y entrer, elle sera plus parfaite. Ouais, les vieux pasteurs, parfois, ils sont un peu rêches. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Est-ce qu'on est parfait ? Moi, je ne le suis pas. Est-ce que Dieu me voit à travers la perfection de son Fils ? Amen. Alors là, oui. Mais je ne vais pas amener mes imperfections en pensant que je vais tout changer, je vais tout révolutionner. Là. Non. Alors il y a cet équilibre à avoir entre je suis engagé quelque part, mais je ne veux pas non plus être blessé, me faire du mal là où je suis. Il faut que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Ce que j'ai entendu régulièrement aussi, et ça c'est vraiment un point qui me... Ça tourne en rond dans ma tête parfois. Ah frère, on a vraiment envie de s'installer dans cette église. Amen, jusque-là. Ah, et le Saint-Esprit nous montre et nous conduit ici. Amen. Et voilà, c'est extraordinaire, et blablabla, et merci Seigneur, on sent la présence de Dieu. Amen. 3 mois après, ah non, là, il y a des trucs qui ne vont pas. Hein. Pff, trop grasse, on ne prêche pas la loi, puis parfois le pasteur il est un peu limite quand même. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Si le Saint-Esprit t'a envoyé là, ça arrive tellement de fois. Non mais sérieux, ça arrive tellement de fois. Pourquoi ? Parce que je pense, pasteur Miguel, c'est le meilleur pasteur. Rien à voir. Mais peut-être que Dieu t'envoie ici, t'envoie dans ce lieu-là et te met au défi d'être un peu différent, de vivre le royaume différemment, de chercher sa présence. Tu sais, Dieu sait,
Dieu sait, la personne qui me dit « Oh, Saint-Esprit m'a conduit ici » et qui, 3 mois après, 1 mois après, 1 an après, me dit « Le Saint-Esprit me montre que je dois partir. » C'est le même Saint-Esprit ou c'est pas le même Saint-Esprit? Saint-Esprit, il connaissait ou il connaissait pas? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu sait pas? Je vous rassure, il sait. Dieu sait! Dieu sait! Dieu sait, Dieu connaît, Dieu aime, Dieu... Oh! Mais il nous met souvent au défi de changer. Il nous met au défi d'être différent. Eh oh, il faut s'engager. J'ai l'impression de faire du recrutement. Il faut s'engager. Oh, il faut se donner. Il y a un moment, il faut se poser. Il faut poser ses valises. Seigneur, ok, tu me veux là? Écoutez le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit « je ne te veux pas là », va pas là. Allez où le Saint-Esprit vous mène. Mais il y a un moment donné, quand on se pose, dit « oui, le Seigneur me veut ici », il y a un moment donné, il faut s'accrocher, dire « Seigneur, maintenant je veux m'engager. Maintenant je veux bosser, Seigneur. Je veux faire quelque chose. Je sais que tu as un travail pour moi. Je sais que tu as des choses à faire pour moi. » Dieu prévoit des œuvres pour vous. Alors si vous avez à cœur, ou si c'est déjà le cas, vous dites « Ah, moi je veux être ancré dans cette communauté. Wow, j'ai trouvé ma place. » Eh bien, dites-vous que si c'est le Saint-Esprit qui le met dans votre cœur, ça veut dire qu'il a aussi préparé ici des œuvres pour vous. C'est une logique. Toute plate, toute simple. Si Dieu vous envoie dans un endroit, il envoie les œuvres avant vous. Les œuvres vous précèdent. Elles sont là à l'avance pour que vous puissiez les faire. Donc il y a un moment, il faut se mettre au boulot. Un moment, il faut se mettre à l'œuvre. Et un moment, il faut agir. Et en tant que nous, communauté vivante, on doit se mettre à l'action. Ok, un confinement, deux confinements, c'est bon. Hein. Comme dirait l'autre, un confinement, mais pas 15. Hein. À un moment, c'est bon. Quoi. Et à un moment, il faut se remettre au boulot. Il y a un challenge là. Il y a un monde dehors qui a besoin de l'espoir. Il y a un monde qui a besoin de Jésus. Il y a des malades qui ont besoin de guérison. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise des démons qui ont besoin de délivrance. Il y a des sans-abri qui ont besoin de couverture. Il y a un moment, il faut se donner. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Il y a un moment, il dit, ok, c'est bon là. Je me pose et je bosse. Je me pose et je bosse. Dieu prépare des œuvres pour nous. Dieu prépare des choses. Il y a une destinée. Et en tant que communauté, nous devons rentrer dans cette destinée. J'ai une confession à vous faire. J'ai un peu freiné, voire tiré frein à main, tout. Enfin, j'ai parfois presque sorti les aérofreins. J'ai freiné parce que j'avais tellement parfois le sentiment que ah, Dieu voulait peut-être nous amener ailleurs. J'avais d'autres villes en tête, et puis je ne savais pas. Et puis, semaine passée, tout début de cette semaine, pardon, ma femme me dit, on regarderait bien une émission. Alors, on n'a pas la télé dans la chambre, donc les émissions, on ne regarde jamais dans la chambre. Hein, soit. J'ai dit, on va prendre l'iPod. Tu vois, on va prendre l'iPod, on va regarder une émission. Je vous le donne en 1000, c'était quoi? Tu es un arbre. Pardon? C'était une émission de EMCI TV. Très, très belle chaîne. Très beau programme. C'est vraiment, Dieu les bénit. Et c'est pour ça qu'on a voulu les bénir en retour. Et nous les avons bénis ensemble. Il ne faut pas croire que Vivea a béni. Nous les avons bénis. Nous avons semé pour le royaume. Et Jérémy Sourdril partage un message. Tu es un arbre. Là où tu es planté, il faut que tu portes du fruit. Ne te laisse pas déraciner pour tout et pour rien. Sois un arbre planté qui porte du fruit. Et là, j'aurais pu dire, oh, bonne prêche, je vais utiliser cette prêche pour mes amis. Je vais utiliser cette prêche pour mes chrétiens. Vous savez quoi? J'ai pris ce message pour moi. Je me suis dit, Seigneur, là, tu es en train de me parler. Trop longtemps, j'ai dit, ah, ouais, peut-être ailleurs, je ne sais pas, on verra, bah, Dieu nous mènera. Puis, je dis, oh Seigneur, en fait, ça fait quand même 2 fois que tu nous mets à soigner, il va falloir qu'on y reste, quoi. Il y a un moment, il va falloir que je pose mes valises, que spirituellement, je me dis, ah ben, tu sais quoi, maintenant, ici, c'est notre territoire. Spirituellement, c'est notre territoire. Le diable, ah ben, il va falloir qu'il se mette à partir. Hein. Les démons, tout ça, il va falloir qu'ils se mettent à partir, parce que c'est notre territoire. Spirituellement, c'est notre territoire. Et je me dis, non, il y a un moment, c'est vrai, je dois confesser ça. Vous savez, je vous l'ai dit 1000 fois, mais quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, on fait quoi? Ah, il y en a qui suivent. Hein. On demande pardon. On se repent. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir considéré le terrain dans lequel tu nous as plantés.
Seigneur, pardon d'avoir négligé ces quelques années où j'attendais que tu nous appelles ailleurs, Seigneur, pardon. Si tu nous plantes ici, Seigneur, alors nous porterons du fruit ici, Seigneur. Et ce fruit, il sera pour ta plus grande gloire. Seigneur, le fruit que nous porterons ensemble sera pour ta plus grande gloire. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'entendais ce message, je me dis, ouais, on a besoin d'être planté là. On a besoin de chercher à porter du fruit. On a besoin parce que Dieu a des plans pour nous. Éphésiens 10 dit ceci. Éphésiens 10, ça va s'afficher pour vous. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, avec Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé dans cette région des œuvres pour que vous et moi, nous les accomplissions. Dieu a préparé à l'avance des œuvres pour que nous puissions faire des choses. Papa Céleste attend patiemment que nous nous mettions en route. Il attend patiemment que nous rentrions enfin dans notre appel. La question, c'est est-ce qu'on va y aller ou pas? Est-ce qu'à un moment, on va aller dégommer les démons? Est-ce qu'on va aller dégommer la maladie? Est-ce qu'on va dégommer la pauvreté? Dégommer l'injustice? Dégommer les paroles méchantes? Est-ce qu'à un moment, on va se mettre en route? Ou est-ce qu'on va se dire, bon, Seigneur, peut-être un jour, quand tu nous diras d'y aller, on ira, mais on attend. Est-ce qu'à un moment, on va se battre? Est-ce qu'on va rentrer dans notre destinée? Est-ce qu'on va s'engager et fidèlement tenir notre engagement? Ou est-ce qu'on va continuer à vivoter? Vous savez, ce déclic-là, c'est spirituellement qui se passe. Parce qu'en fait, terre à terre, corporellement, humainement, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a juste un moment où on se dit, non, maintenant, il faut y aller. Et puis les choses se mettent en route. Ça prend du temps. Une église de réveil, ça prend du temps. Une église qui veut le feu de Dieu, ça prend du temps. Mais le tout, c'est de s'y mettre. Le tout, c'est d'avoir le déclic de dire, Seigneur, maintenant, on veut porter du fruit. Il y a des tas de choses que Dieu veut mettre sur votre cœur, sur mon cœur, sur les cœurs des uns et des autres. Il y a des tas de choses que Dieu veut mettre sur le cœur. Il y a des tas de projets, des tas d'idées que Dieu veut mettre sur votre cœur. Il y a des tas de choses, quand vous allez vous coucher, quand vous baladez en voiture, quand vous êtes sous votre douche, il y a des tas de choses que le Saint-Esprit veut vous dire. Hey, tu ne ferais pas ça? Hey, tu ne lancerais pas ça comme projet à l'église? Hey, avec la communauté, tu n'as pas envie de faire un truc là, ça, 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 et des projets qui viennent? Je suis sûr qu'on a tous des idées. On a tous des trucs qu'on ferait bien. Ne me laissez pas tout seul là. Si vous avez des trucs, c'est pas possible. Vous avez tous des envies quand même, non? Bof. Et ça peut être des trucs fous, hein? Ouvrir un orphelinat. À moi, des trucs que je rêve, c'est ouvrir un home. Vous dire, bon, un home, oh. Il y a un truc depuis que je suis gamin qui me retourne l'estomac, c'est les papy-mamies qu'on laisse mourir sur le côté. C'est un truc de fou, ça. Ça a été des papas et des mamans qui ont élevé des enfants, qui ont donné de leur temps, qui se sont battus toute une vie, qui ont bossé et qu'on laisse mourir de côté. C'est un truc, ça me retourne l'estomac. Et je me suis dit, il y a des années déjà, si on ouvrait un home chrétien, avec, waouh, un service pour les papy-mamies où on leur rend avec honneur, mais avec, vous savez, avec ce cœur-là, leur rendre le bien qu'ils ont donné. Évidemment, sans distinction de couleur, de race, de religion, mais un homme qui porte les valeurs de Jésus, en disant, vous savez quoi? La Bible, dans la loi, donc ça ne nous concerne pas nous directement, la loi, ça ne nous concerne pas, mais il y a une révélation. Honore les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont comme une couronne de grâce sur la tête de quelqu'un qui est âgé. Honore la personne du vieillard. Voilà ce qu'il est écrit. Honore la personne vieillard. Alors nous, on ne le prend pas comme une loi, mais on se dit, waouh, il y a quelque chose à comprendre là. Il y a quelque chose à comprendre. Il faut honorer les parents. Il faut honorer les aînés. Il faut honorer les papy-mamies. Cette période de Covid a été, mais catastrophique. J'ai entendu, j'ai lu, c'est un reportage sur France 2 que j'ai entendu. Je suis resté horrifié. Horrifié. Des papy-mamies se laissaient mourir de faim dans les homes. Vous imaginez? Un papy ou une mamie qui se prive de manger pendant des jours et des jours et des jours pour finir par mourir de faim. Mais c'est horrible! Ça, c'est la société dans laquelle on vit. Et cette société-là, eh bien,
Jésus nous met au défi de la changer. En tant que communauté, il y a deux choses qu'on doit changer, les amis. Il y a deux pôles, il y a deux points, il y a deux choses vraiment. Il y a deux trucs qu'on doit vraiment, vraiment, on doit se battre pour ça. La première, c'est spirituellement. Les réunions de prière sont les réunions les plus délaissées. Comment c'est possible? Je vais faire mon méchant pasteur. Comment c'est possible? Les copains, la prière est la respiration de l'âme. Comment c'est possible que les réunions de prière soient les réunions les plus délaissées? On devrait être blindé à la réunion de prière. Passer du temps à genoux. Seigneur, ton feu, ta gloire, transforme cette région. Seigneur, ce territoire est ton territoire. Au nom de Jésus, on chasse les démons, on chasse le diable de ce coin. Seigneur, ta gloire dans ce lieu. On devrait être des dizaines, on devrait pleurer ici. On devrait venir me trouver ou me téléphoner en pasteur. Trois réunions de prière par semaine, c'est pas assez, hein. Il en faut plus. Hein. Tout le monde vient faire combien? Trois? Ouh. La petite église de Soigny qui est près de la gare a connu en son temps des réunions très bénies. Et je tiens cette info de quelqu'un qui y était quand il était plus jeune. Il m'a dit à cette époque-là, on avait réunion de prière, à votre avis, une fois, deux fois? Tous les matins. En fait, avant d'aller travailler, ils se réunissaient pour prier. Pardon? Ah ouais, il y en a qui sont motivés. Tous les matins. Et le frangin me racontait, dit de 7 à 8, avant de prendre le train, 7 à 8, on allait, on priait. Il dit, ça a été les moments où on a vu le plus de guérison, le plus de miracles, le plus de conversions. Le ciel était sur terre. Il y a, comme qui dirait, un lien de cause à effet. Où on est engagé, ou comme on dit à Mons, où on l'est nié. Où on est engagé, où on ne l'est pas. Je ne suis pas en train de vous dire, si vous ne priez pas à l'église tous les matins, vous êtes un mauvais chrétien. On fait la part des choses. Il n'y a pas de condamnation. Je jette un truc. Il y a quelque chose qu'on doit changer. En tant que communauté, il y a quelque chose qu'on doit changer. On doit être des guerriers dans la prière. Tous les réveils ont commencé par des peuples à genoux. Tous les réveils ont commencé par des gens qui prient et qui proclament, engagés, fidèles à l'engagement. C'est sans doute la première chose qu'on doit changer, les amis. On doit prendre notre rôle à cœur. Et la deuxième des choses, c'est un peu ce qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne l'évangélisation et les actions sociales, qui sont indissociables. On ne peut pas saucissonner l'évangile en disant « moi je prends que ça, je ne prends pas que ça ». Un petit, un peu de ça, un petit, on ne fait pas son marché avec l'évangile. On ne fait pas son marché. L'évangile, on le prend ou on ne le prend pas. Si on le prend, l'aide aux gens, l'amour pour les gens, fait absolument partie de l'évangile. On ne peut pas, c'est la Bible qui le dit, dire « oh Dieu, je t'aime » et ne pas aimer son frère ou sa sœur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui déclare. Il dit, comment peux-tu dire à Dieu que tu l'aimes alors que tu ne le vois pas et tu n'aimes pas ton frère que tu vois ou ta sœur que tu vois? Comment tu peux faire une tape sur l'épaule de ton frangin en disant, ça va aller, ouais, que Dieu te bénisse. Et toi, tu as des sous, tu sais l'aider, mais tu ne l'aides pas. Ça ne marche pas, ça. On ne peut pas dissocier l'évangile et l'aide. Ces choses-là vont de pair, elles sont ensemble. Et grâce à Dieu, grâce à vous, parce qu'on est quand même une communauté où il y a quand même des dons réguliers, et merci Seigneur, on a aidé, vous avez vu, on a aidé, mais c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire. C'est beaucoup, parce que c'est beaucoup de ce qu'on a pu faire ensemble, mais on peut faire bien plus. Bien plus. Évangéliser. Alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas pour les vieilles techniques. J'ai connu. Ouais, ma fille, elle a compris, elle me fait des signes comme ça. C'est un langage codé, hein. Vous ne comprenez pas. Hein. Ça, c'est mettre des petits papiers dans les boîtes. On a connu ça. Hein.
On a fait ça des années. On en a distribué des milliers. Mais quand je dis des milliers, c'est des milliers. On en a imprimé 5000, on les distribuait. Donc on a fait ça plusieurs années. Et vous savez quoi? Retour. Le retour sur l'investissement. Proche du zéro absolu. Ah non, non, si, si, proche du zéro absolu. Par contre, il y a une fois, il y a déjà des années, hein, c'est avant qu'on soit vivé. Il y a une fois, on s'est dit, ouais, ce qu'il faut, c'est montrer aux gens qu'on les aime. On va aller faire du café et des crêpes qu'on va distribuer gratuitement sur le marché et on va dire aux gens qu'on les aime. Et si on a l'occasion, on leur dira que Jésus les aime. 2 jours après, il y avait 8 personnes qui venaient à l'église. C'est dingue, hein? Ah ouais, mon frangin, il faisait des crêpes. Et le petit, il veut quoi? Une crêpe à Nutella? Ok. Puis la maman fait, pourquoi vous le faites gratuitement? Parce qu'on vous aime. Pardon? On vous aime. Jésus vous aime, vous êtes précieux, vous avez de la valeur. Et si vous voulez, il y a un café aussi. Il est chaud. Vous savez, des fois, les gens, ils prennent leur café. C'est quoi votre truc? Jésus vous aime? Parce que je ne suis pas très croyant, moi. Ben, si vous ne croyez pas en lui, lui, il croit en vous. Il vous aime, il vous voit, il vous regarde depuis que vous êtes né. Et puis là, on prie quand même, on demande au Saint-Esprit, Saint, si tu n'as pas une parole, on a parfois des paroles de connaissance. Mais je sens, je ressens dans mon cœur ceci. Je me souviens une fois, j'étais à l'entrée d'un magasin avec un gars, puis je le vois, puis en fait, il passe en voiture devant moi et sa bagnole fait bing, bing, bling, bling, son pot d'échappement, c'était une batterie à lui tout seul. Et le Saint-Esprit me dit, dans mon cœur, dis-lui que son pot, il fait plein de bruit. Vous voyez la discussion que vous avez avec le Saint-Esprit dans ces cas-là? Ah, parce que tu crois qu'il ne le sait pas. Come on. Allez, quoi. Mais bon, j'obéis. Monsieur, juste comme ça, je suis sûr, vous le savez, mais votre pot d'échappement, il joue derrière, c'est une batterie à lui tout seul, hein, il fait une symphonie, blablabla, il fait « Oh, gamin, je sais bien !» On se met à papoter. Et puis là, je sens maladie, épouse, tristesse. Je ressens votre épouse, elle était malade ou elle a été très malade, je sens une profonde tristesse, vous portez quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, le petit monsieur? Je pense que c'était des jours-là ou de ces jours-là. C'était pas ce jour-là. Il me dit, bah oui, ça va être l'anniversaire du décès de ma femme. Elle est décédée d'une longue maladie. Elle a énormément souffert. Et là, je viens d'aller encore au cimetière et c'est lourd. Et je prie avec lui. Je dis que Dieu l'aime, que Dieu a un plan. Le gars, tout touché. Quand on va vers les gens, on peut choisir la technique. On met des petits papiers ou on peut aller vers les gens. Mais là, vous savez quoi? On a un rôle à jouer. On n'a pas fait grand chose ces derniers temps. Ce n'est pas un reproche, hein, je me mets dedans. On n'a pas fait grand chose. On doit faire quelque chose. On doit aller aider les gens. On doit aller les aimer, les gens. Il y a tout un monde dehors qui n'a pas l'espoir de Jésus. Nous, on est là, on est bien. Hein, on est bien, la chaise est chaude, on est bien mis. Hein. Mais on sait que si on meurt, on va au ciel, on aime Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui perdent de la famille, qui perdent des amis et qui ont une angoisse de dingue. Ils vont se coucher avec la peur, l'estomac qui fait des tours parce qu'ils se disent « Et après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et je ne le reverrai plus jamais. Oh l'infini, l'éternité, oh là 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 là, ma tête tourne, oh, c'est, oh. Hop, je vais aller boire un coup, je vais fumer un joint, je vais mettre de la musique fort. » Ça, c'est leur espoir. Nous, on se dit « Ah Seigneur, serrai-je quand même de temps en temps la vie? Merci, tu es mon espoir. » Et nous, on va vers la prière. Eux, ils vont vers le joint, vers la musique, vers un film d'action, vers n'importe quoi, vers la drogue peut-être, vers la fête. Nous, on va vers Jésus. Il y a tout un monde qui a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Il y a toute une partie de la société. Vous avez entendu qu'il y a plus de 100 enfants qui sont placés par le juge dans cette région. Ça en fait des enfants, ça en fait des petits bouts. Hein. Vous savez ce que c'est un enfant placé par le juge? Ouais, quand même. C'est un enfant qui grandit sans son papa, sans sa maman. On est allé plusieurs fois au guélogis. Vous savez, c'est bien. C'est un endroit où ils ont toute une structure qui les aide et qui les soutient. Ils ont des éducateurs qui sont des personnes dévouées, qui font de leur mieux. Ils ont un très bel endroit. Le guélogis est un bel endroit. C'est un,
C'est un bâtiment entouré de beaucoup de pelouse qui a été vraiment restauré, utilisé pour ça. C'est dans les années 40, je ne sais plus combien, après la guerre. Ce centre a été utilisé pour les enfants qui étaient seuls, etc. Et aujourd'hui, c'est un centre pour les enfants placé par le juge. C'est super. Il y a des gens qui se battent pour ça. Et loin de moi l'idée de dire « c'est nul ». Non, c'est bien. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ont le cœur à ça. Mais il y a un Dieu, il y a un Père qui aime ces enfants-là. Et ça, cette chose-là, ils ne le savent pas. Pour la plupart, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. On a besoin d'aider les gens. On a besoin d'aimer les gens. On a besoin d'aller vers les gens. On a besoin d'aller dans les rues pour prier pour les gens. On a besoin de faire ça. Les gens ont besoin de savoir que le royaume de Dieu vient jusqu'à eux. Ils ont besoin d'avoir des chrétiens qui viennent, qui les abordent. On dit, hey, je peux prier pour vous ? Hey, j'ai l'impression que vous avez mal au genou ou quoi ? Priez en rue. On a besoin de faire ça. On a besoin de parler à nos amis, mais on a besoin de faire des actions. On a besoin de sortir de nos murs. On a besoin d'aller vers les gens. Comprenez qu'on a les deux choses à faire. On doit se bagarrer pour les réunions de prière. On doit se bagarrer spirituellement. Parce que, yo, là-dessus, on est nul. On a délaissé ça. Enfin, en tant que communauté, on a délaissé l'engagement dans le combat spirituel. On en a besoin. Mais on a aussi besoin d'être engagé physiquement, humainement. Toutes les associations. Je suis sûr que si vous demandez à Dieu, il va mettre sur votre cœur des tas de choses, des tas d'idées. Il va vous donner des noms. Vous allez aller sur Internet, trouver des associations. Ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire là. Dans la tradition d'église, que j'aime énormément, le pasteur doit avoir toutes les idées, doit porter toutes les idées, doit décider de tout. Vous savez quoi, chez Vivia, ça ne marche pas comme ça, mais alors du tout. Moi, en tant que pasteur principal, je ne suis pas à dire ouais, « on va faire ça, on va faire ça ». Seigneur, donne à cœur. Parce que vous savez quoi? Vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église ensemble. Et donc, si vous levez un matin en disant oh, « j'ai rêvé d'une ville dans tel pays où j'ai rêvé de telle action, j'ai rêvé de telle chose. Ouais, on va faire ça. » Eh bien, on va le faire ensemble. Il faut que vous portiez des projets. Pas que je vous apporte des projets. Il faut que vous portiez des projets pour que ces projets viennent du Saint-Esprit. Il faut que nous brillions. Il faut que nous soyons la lumière. Il faut que cette région soit inondée de la lumière de Dieu. Il faut que cette région connaisse l'amour, la grâce. Il faut que cette région soit touchée. Il y a des choses à faire ici. Dieu nous plante ici. Dieu veut des œuvres ici. Matthieu 5 nous dit quoi ? Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ça s'affiche pour vous ? Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain, sous un grand bol. Il continue en disant, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'explication, c'est la suivante. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Nous devons être la lumière et les gens doivent voir cette lumière. Les gens doivent voir la gloire de Dieu. Il y a un moment donné, il faut que cette région sache, pas que « oh, Vivea », mais sache « Dieu agit ici, dans cette région ». Il fait des choses ici, dans cette région. Il y a un endroit, une maison, un lieu. Il y a une communauté dans laquelle on peut aller chercher la présence du Père. On peut aller et on sent la présence du Saint-Esprit. Il y a des guérisons, des charismes, il y a des tas de choses. Le Saint-Esprit là, mais il y a aussi une maison là qui aide les gens, qui donne, qui distribue, qui supporte, qui apporte l'espoir. Les deux choses, on ne peut pas les dissocier. Il faut les faire ensemble. Il faut les faire ensemble. Moi, personnellement, j'ai très, très, très à cœur. Dieu a déposé vraiment ça sur mon cœur il y a maintenant quelques semaines. Ça a été très, très fort. Il faut qu'on organise des réunions de guérison, des soirées guérison. Avec louange, guitare électrique, bam, 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 bam. Saint-Esprit à fond la caisse et guérison. On doit faire ça.
Ça doit tout déchirer, ça. Ça doit juste envoyer du lourd, là, bah, 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 de la bonne musique. Et puis les gens doivent recevoir la guérison. Bah, Dieu va ouvrir les portes du ciel. Mais si on ne fait pas de réunion de guérison, eh ben, Dieu n'ouvre rien du tout. Oui, quand on est ensemble, on prie. Mais si on ne fait pas porte ouverte, oh, ici, on prie pour la guérison. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu dit qu'on est la lumière, mais que la lumière, on la met sur une perche pour que ça éclaire tout le monde. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce que nous devons être? Nous devons être la petite lumière au bout de la perche. Nous devons être la ville sur le sommet de la colline. Nous devons être visibles. Ça doit juste briller de tous les côtés. Je vous en ai dit assez ou pas? Vous êtes motivés? C'est bon, quoi. Il y a un moment, il faut qu'on bouge. On va quand même pas rester là. Go, exactement. Pendant très longtemps, le mot de passe de l'ordinateur, c'était Vivea Go. C'est vrai, hein, parce que Sébastien vient de dire Go. Logiquement, Vivea, ça veut dire ça. Vive pour vivons, E pour évangile, A de action. Vivons un évangile d'action. Ça vient de là, Vivea. Hein. Parce qu'à la base, on voulait faire plein de trucs. Alors, on a fait plein de pas trucs. Et puis, on a été ralenti, puis on a été saboté. Puis on s'est pas bien entendu, et puis on a été covidé. Bon, il y a un moment, on a fait le tour. Il y a un moment, il faut y aller. Hein. Alors, je suis pas en train de faire du recrutement. Mais si le Seigneur vous le met sur le cœur, sachez qu'il y a ici une communauté, et je le dis pour ceux qui regarderont sur Internet, il y a ici une communauté qui cherche des bras, qui cherche des mains, qui cherche des pieds, mais surtout qui cherche des cœurs. On veut que notre génération connaisse l'amour de Dieu. On veut que le réveil descende. Mais on veut que les gens sachent aussi qu'il y a une église qui peut donner des couvertures, qui peut donner du pain, qui peut abriter, qui peut aider, qui peut distribuer. On veut être la lumière. Il y a des choses à faire. Le défi que je vous lance, eh bien, c'est de demander à Dieu, de mettre sur votre cœur ce que vous devez faire. Je me souviens d'une fois, une sœur qui venait il y a déjà un moment et qui est venue vers moi un jour en disant « Seigneur, me montre qu'il faut que je fasse de la soupe et des sandwichs. » Elle avait fait de la soupe et des sandwichs. Elle avait à cœur de faire ça. Comprenez qu'il y a des choses comme ça qui naissent juste d'un cœur qui dit « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ?» Avec la famille, on a fait ça pendant 2 ou 3 ans. On a fait ça pendant un moment, 2-3 ans, hein, 3 ans on a fait ça. Pendant la période hivernale qui était quand même assez longue, on faisait ça d'octobre à mars ou novembre à mars, je ne sais plus, on faisait ça quand même assez long. Hein. Je ne sais plus maintenant. Mais parfois on allait même jusqu'à avril, je ne sais plus trop. À Mons, on faisait ça tous les samedis soirs. On allait distribuer des sandwichs et de la soupe au SDF de Mons. C'était super d'aller à la rencontre des gens. Alors on leur faisait, en plus, il y en avait toujours une des frangines qui faisait de la bonne soupe maison. On ne leur réchauffait pas des cartons de soupe préparée, on leur faisait de la soupe avec des légumes frais, etc. On leur faisait des bons sandwichs, on allait chercher de la baguette, on faisait des bons sandwichs, clac, clac, clac. Ça nous a permis de prier pour des gens, de rencontrer des gens. Il y en a qui pourraient dire, ouais, mais alors ça devient du prosélytisme. Tout ce que vous voulez faire, c'est grossir vos rangs. Non. Non, l'idée, c'est pas de grossir nos rangs. L'idée, c'est de remplir le ciel. Et le ciel, il se remplit par la gloire de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu, Jésus nous dit qu'on doit être connu, que nos œuvres doivent être connues, pas pour fanfaronner, mais pour que les gens, voyant nos œuvres, rendent gloire à qui? À Dieu. C'est clair, hein? Je ne peux pas vous le faire plus clair que ce que Jésus l'a fait. Il l'a fait clair, je ne vais pas le compliquer. Nous devons être connus pour les œuvres que nous faisons et ces œuvres vont amener les gens à dire « Waouh, Dieu est bon, gloire à Dieu !» Et les œuvres, c'est l'aide, c'est distribuer les choses, mais c'est chasser les démons, c'est guérir les malades, c'est tout ça. Donc, réunion de prière lundi matin. Elle fait « Oui, Chloé. » Ah, c'est beau quand on est jeune chrétien. On est motivé, ouh. Seigneur Jésus.
Donc je vous lance le défi d'être engagé. D'être engagé avec Dieu. Là où vous êtes, si vous faites partie d'une communauté, restez dans votre communauté. Ne vous arrachez pas de là où vous êtes. Ce n'est pas ça l'idée. Je ne suis pas en train de faire du recrutement, du bas recrutement. Venez chez nous, c'est meilleur. Ce n'est pas ça que je suis en train de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous cherchons des cœurs. Vous savez quoi? Depuis que l'homme est homme, Dieu cherche les cœurs. Il cherche l'homme. C'est écrit à plein d'endroits. Dieu cherche un homme. Voilà ce qu'il dit. Vous pouvez mettre une femme à la place, ça marche aussi. Dieu cherche des cœurs, des gens engagés et des gens fidèles dans l'engagement. Vous savez quoi, le royaume? C'est un royaume d'hommes et de femmes engagés et fidèles dans l'engagement. On prie ensemble pour terminer. Merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce. Oh, merci Jésus parce que tu nous as plantés ici. Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pendant longtemps hésité sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je veux simplement te faire confiance. Seigneur, tu nous plantes ici, tu nous fais porter du fruit ici. Seigneur, je prie vraiment pour que nous rentrions dans une nouvelle saison. Je le prêchais la semaine passée en disant nous allons rentrer dans une saison de grâce particulière. Seigneur, mais je prie vraiment que nous rentrions dans notre destinée. Seigneur, je prie pour que nous rentrions dans les œuvres que tu as préparées. Seigneur, je vois deux pôles, je vois deux points. Seigneur, tout ce qui est spirituel, les guerres et les combats et les victoires spirituelles que tu as pour nous. Seigneur, et toute l'aide, l'évangélisation, le contact que nous pouvons avoir avec l'extérieur. Seigneur, il faut que nous développions ces deux points. Seigneur, je prie pour que tu mettes dans le cœur des uns et des autres, que tu mettes dans mon cœur, que tu mettes dans nos cœurs. Un esprit de guerrier, Seigneur, un esprit d'engagé, un esprit de fidèle et d'engagé. Seigneur, que tu fasses de nous des violents et que nous puissions nous emparer du royaume. Seigneur, que ta grâce coule dans cette région. Seigneur, cette région, c'est ton territoire. Seigneur, spirituellement, nous prenons possession de ce territoire. Comme le peuple juif à l'époque a marché, tu as dit à Josué, tous les endroits que fouleront tes pieds, je te le donne. Tous les endroits que fouleront tes pieds, je te le donne. Alors Seigneur, nous foulons ce pied. Nous foulons ce territoire de nos pieds. Spirituellement, nous foulons ce territoire de nos pieds. Seigneur, ce lieu, cet endroit, cette région, tu nous la donnes spirituellement. Seigneur, nous voulons voir et nous verrons ta gloire dans cette région. Seigneur, nous allons voir une pluie de guérison, une pluie de miracles, une pluie de délivrance. Nous allons voir les cœurs transformés, nous allons voir les vies transformées. Seigneur, nous allons voir aussi les personnes défavorisées être aidées, soutenues. Seigneur, ton église va briller, Seigneur. Nous allons être la ville sur le sommet de la colline. Seigneur, en ton nom, par ta grâce, je le proclame, je le crois, je le prophétise, nous allons être l'église que tu veux que nous soyons. Nous allons rentrer dans ce moment, nous allons rentrer dans cette saison. Nous allons saisir la destinée que tu as pour nous. La destinée que tu as pour nous, nous voulons y marcher avec foi, engagement et fidélité. Dans le nom de Jésus Père, nous t'avons tous prié. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Seigneur, et nous te faisons confiance. En ton nom Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, si vous avez suivi ce message par internet, eh bien je voudrais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Merci pour le soutien que nous recevons à droite et à gauche via les versements que nous recevons sur internet. Merci pour tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui s'aiment pour le royaume de Dieu. Sachez que nous voulons vraiment, après toute cette période de confinement, reprendre le travail. Et avec la grâce de Dieu, nous allons le faire. Nous avons déjà recommencé, mais nous allons le faire plus. Et nous allons nous bagarrer spirituellement aussi. Et si vraiment le Saint-Esprit le met sur votre cœur, je sais que ça ne se fait pas. C'est pas grave, moi je le fais quand même. Je sais que ça se fait pas, mais si le Seigneur le met sur votre cœur, venez nous voir. On cherche des cœurs. Venez nous voir. Parce qu'il y a quelque chose à faire dans cette région, il y a quelque chose à faire pour le royaume de Dieu. Si le Saint-Esprit le dépose sur votre cœur. Maintenant, c'est pas du tout un appel à quitter votre église locale. Vraiment pas, parce que c'est pas quelque chose non plus que je valide comme ça facilement. C'est pas quelque chose que j'aime facilement non plus. Là où nous sommes, nous devons être engagés. Mais sachez que si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas quoi faire, et que vous cherchez juste un endroit pour louer Dieu, et que vous cherchez juste une communauté pour faire les choses que Dieu met sur votre cœur, vous avez ici une famille qui vous attend. Soyez bénis, soyez encouragés, que le Saint-Esprit encore travaille votre cœur durant cette semaine, et qu'il dépose des rêves en vous.
Amen. Soyez bénis. Je vous aime énormément.